Bonsoir, je m'appelle André Raphaël Ivanov et je suis pour la première fois au Festival Yara et aussi sur le continent africain. Je suis venu pour présenter des films kazakhs. Donc nous avons un film kazakh qui est présent en compétition officielle, donc le film Nartay de Gulnara Sarsenova. Je présente également d'autres films qu'on avait dans la sélection officielle du Festival des films kazakhs en France. Ce que je peux dire, c'est que je suis très étonné, en fait agréablement surpris par l'accueil chaleureux du public, en fait des échanges avec d'autres cinéastes venus de beaucoup de pays africains et aussi internationaux. Je vois une très belle organisation, la diversité de choses et surtout c'est que je suis vraiment vraiment ébloui par l'hospitalité du peuple camerounais. Non, laisse tomber. Toi aussi, c'est rien. Je ne voudrais pas pour autant faire du triomphalisme pour cette 9e édition. Du cinéma vient de perdre un être qui nous est très cher. Au nom de Dieu donné à la carte, je veux juste vous demander de vous lever pour une minute de silence. Merci. L'ensemble de l'équipe du festival Yara et notamment
sa directrice Sylvie Noët pour cette belle occasion de faire ce partage et de projeter pour la toute première fois dans l'histoire de notre cinéma national du Kazakhstan des films sur le continent africain. Je vais juste dire brièvement c'est que pourquoi le choix de ce film, même si le Kazakhstan produit en fait depuis l'indépendance en 1991 plus de 100 films par an. Je pense que l'équipe du festival a décidé en fait de mettre à l'honneur en fait un premier film d'une grande productrice du Kazakhstan, Gunara Sarsenova, qui soutient beaucoup le festival du film kazakh, l'association française du cinéma kazakhstanais, et j'espère que elle aura aussi des occasions pour venir et partager la beauté du monde du cinéma avec le festival IARA. C'est une productrice qui a produit de nombreux films, dont trois ont été sélectionnés et nommés aux Oscars. Son plus célèbre film, c'est Tulpan. En 1998, il a obtenu le Grand Prix Un certain regard au Festival de Cannes. Son deuxième film, Mongol, qui parle de l'histoire de Genghis Khan, a obtenu une nomination aux Oscars en 2008 aussi. Et ensuite, elle a produit un troisième film qui s'appelle Haikai, qui relate une histoire d'une immigrée qui est en train de survivre dans des conditions très rudes de Moscou. Elle n'a pas de papier, etc. Donc, et je pense que c'est une histoire qui est très universelle et qui a montré les difficultés auxquelles les femmes sont heurtées dans le monde entier. Et le film a été sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes en 2018 et en fait, elle a valu le prix d'interprétation féminine à l'actrice kazakh Saman Estamova, qui est devenue la toute première actrice de l'histoire peut-être du cinéma de tout le RSS et de tout le pays russophone. C'est vraiment très symbolique pour nous, et d'ailleurs il est kazakh. Et donc c'est grâce au réalisateur Sergei Dvartsevoy, l'actrice Saman Estamova qui a obtenu ce prestigieux prix, le travail de l'équipe de production dont la productrice Gunara Sarsenova, que j'ai décidé de lancer aussi l'histoire de mon festival du film kazakh qui voyage à travers le monde maintenant depuis Paris. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter un film avec des éléments peut-être militaires. Donc il y a des chars, il y a des soldats, mais en fait c'est un film complètement anti-guerre. Et qui montre en fait les valeurs universelles, comme quoi en fait les anciens ennemis, l'Allemagne et l'URSS pourraient collaborer, donner de la chaleur humaine. Et si vous avez des questions après pour échanger, donc je serai là. Merci beaucoup encore. Merci André. Je vous invite à regarder avec nous le film intitulé Narté. Merci. Распадается наше маленькое государство. Аймақты көмірін төбілін деді Астыңда ақ бозатын сылынғаны Шалтақтап қолақтарын елін деді Ақ бозат менің тұлпарым Шалқыған көңіл сұңқарым Көкіректере жұттым мен Ауаның жазғы шұлпарым Сүмбіл шаш, тәттім сөзім, қара көзім,
Nergis'in kirgininde jamba sözü Tattay sözün kara gözü Nergis'in kirgininde jamba sözü